Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Parfois, je me demande comment se fait-il qu'il y ait beaucoup de sorciers parmi nous. Et oui, dans ce monde, il y a beaucoup de sorciers, même des enfants sorciers. Ah, mais qui les transmet la sorcellerie? Ça, c'est la question que je me suis posée pendant longtemps quand je suis tombé sur ce témoignage que j'aimerais partager avec vous maintenant. Voici comment il a failli recevoir la sorcellerie. Écoutons son témoignage. En fait, j'étais en train de voyager avec mon grand-père. Il faut dire que mon grand-père travaillait pour la Société nationale des chemins de fer. Il était responsable des services de sécurité de cette entreprise-là. Et donc, à l'époque, il était commissaire. C'est lui qui était en charge d'assurer la sécurité de la Société nationale des chemins de fer à l'époque. Et puis, chaque fois qu'il y avait des vols, des vols, des actes pas bien sur les installations d'entreprise, c'est lui qui menait des enquêtes. Il envoyait des gens pour mener des enquêtes, ou ses services, ou lui-même diriger des enquêtes et tout ça. Alors il s'est fait qu'à un moment, il m'a pris pour qu'on puisse voyager avec lui, parce qu'au fait, je porte son nom. Je porte le nom de mon grand-père. Il voulait que je sois avec lui à tout moment. Quand il allait dans des missions de service, parfois, il pouvait m'amener avec lui. Bon, j'allais là, et puis bon, ses gardes du corps s'occupaient bien de moi et tout ça. Étant tout petit, j'étais très, très attaché à lui. Alors, il s'est fait qu'à un moment, on était en train de voyager avec lui. Il était dans ses services, dans ses enquêtes et tout ça. Et on est arrivé dans un village. On a passé la nuit là-bas parce qu'il devait mener ses enquêtes et tout ça. La deuxième nuit, il fallait quitter. On a pris le train. Parce qu'il travaillait dans une entreprise de chemin de fer, comme je l'ai dit. Et puis, il y avait un train spécial qui était à sa disposition pour ses déplacements. Alors, comme il avait aussi une équipe avec laquelle il menait des enquêtes, ces gens-là, pour les aider, ils devaient aussi transporter certains commerçants, certains passagers, pour qu'ils puissent se faire un peu de sous, quoi. Le grand-père leur a permis de faire ce travail, de transporter aussi certains passagers et tout ça. Et nous étions en train de rentrer à la ville où mon grand-père habitait, où on habitait avec lui, bien entendu. Alors, il s'est fait que parmi les gens qu'on transportait, il y avait un vieillard. Un vieillard qui devait avoir plus de 70 ans. Et ce vieillard avait sa marchandise, des sacs de manioc, des sacs de maïs, des sacs de riz, sacs des haricots, et tellement dans le compartiment qu'on occupait à l'intérieur du train, il n'y avait plus assez d'espace. Il y a des trucs qu'ils ont mis sur le train, au-dessus du train, parce que c'était pas un train électrique, c'était un train diesel, donc on ne pouvait pas avoir peur des fils électriques. Et les gens se sont assis dessus. Pendant que le train roulait, les gens étaient sur le train. Moi aussi, curieusement, parce qu'il faut dire, à la base que j'étais aussi tellement turbulent en tant que petit, j'ai dit au grand-père, je vais m'asseoir avec les gens qui sont au-dessus. Et le grand-père, bon, tu vois, comme tout grand-père, pour satisfaire son petit-fils, il m'a dit, non, c'est bon, s'il y a des gens qui vont t'encadrer là-dessus, c'est bon, va t'asseoir. Il m'a donné deux de ses gardes du corps avec lesquels nous sommes allés nous asseoir. Donc, sur le train, il y avait beaucoup de passagers, il y avait ce grand-père qui était à côté de moi, et puis ce vieillard plutôt qui était à côté de moi, et puis il y avait les deux gardes du corps de mon grand-père. Alors, on voyageait dans une obscurité totale, dans la brousse, une savane. Il devait être autour de minuit, 1 h ou 2 h du matin par là. Je regarde sur ma droite. Dans la brousse, je vois une boule de feu, une grosse boule de feu alors, qui montait, qui descendait, et quand elle montait et elle grandissait et formait comme un cœur. Et puis quand elle descendait, elle devenait toute petite. Donc elle montait, elle grandit, et puis elle descend, elle devient toute petite. Très curieux, je savais rien. Mais je me suis senti comme hypnotisé, je ne pouvais pas poser de questions, ça m'a juste surpris et j'ai senti la chair de poule. Et curieusement, le vieillard qui était à côté de moi,
me pose la question dans la langue maternelle. Il me pose la question, il dit, regarde, il me touche, il dit, regarde, c'est quoi ça? Ben, tout le monde pouvait voir que c'était le feu. Mais lui me demande, il dit, c'est quoi ça? J'ai pas pu parler, BMG. Je me suis senti comme si j'étais bloqué. J'ai eu une peur bleue. Et puis, subitement, l'un des gardes du corps de mon grand-père gifle le vieillard. Il le gifle en criant « Salaud! Qu'est-ce que tu veux faire ici ?» Il a commencé à le tabasser là. Moi, je ne comprenais rien. J'ai commencé à me demander, je dis « Mais ce type, il m'a juste posé la question de savoir c'est quoi? Pourquoi on doit le taper ?» Et puis, le vieillard est en train de demander « Pardon, 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 laisse-moi, pardon, pardon. » J'ai jamais compris. Et puis il lui dit, tu veux que je te jette au sol maintenant? Tu vas rester ici et crever. Qu'est-ce que tu veux faire là? Cet enfant est innocent, pourquoi tu veux lui faire ça? J'ai jamais compris. À tout le monde s'est levé à commencer à crier sur le vieillard. Toi, un sorcier! Moi, je comprends absolument rien. Et puis on arrive à la gare suivante. Le train spécial s'arrête. Et le garde du corps de mon, les deux gardes du corps de mon grand-père demandent à ce que je rentre à l'intérieur du train, que je ne m'asseye plus au-dessus. Et le vieillard qui était là est en train de saigner. Et je vois, mais les deux gardes du corps en question allaient chuchoter à l'oreille de mon grand-père pour lui dire des choses. Et finalement, à la gare là, mon grand-père demande aux policiers de coffrer le gars, le vieillard. Oh non, il a voulu faire du mal à mon petit-fils. Je n'ai jamais compris. Et puis après, quand je posais des questions, je disais, mais pourquoi vous l'avez tabassé? Pourquoi vous l'avez coffré? J'avais pas de réponse. Et puis on est parti et tout ça. Et lorsqu'on arrive à la maison avec le grand-père, c'est là maintenant qu'il me dit. Il dit, non, ce vieillard-là, je l'ai fait coffrer parce qu'il voulait t'envoûter, il voulait te transmettre la sorcellerie. Je dis, ah bon? Il dit, juste le fait de t'avoir posé la question, c'est quoi ça? Donc c'est lui qui est en train de faire ça. Il savait que tu as vu, que tout le monde a vu. Mais comme il a vu qu'il y avait une personne vulnérable là, il voulait prendre son âme, ou je ne sais pas, l'envoûter, ou la bouffer, ou je ne sais pas. C'est pour ça qu'il te posait la question de savoir c'est quoi ça. Si tu avais seulement ouvert ta bouche pour dire c'est le feu, là il t'aurait eu. Parce qu'en fait, c'est comme si tu lui donnais l'accès dans ta vie, tu lui donnais l'autorisation d'entrer dans ta vie, d'avoir accès à ton âme et à ta vie. Et donc là, depuis ce jour-là, j'ai décidé. Même quand mon grand-père me demandait, bon, accompagne-moi à tel endroit, je ne sortais plus avec lui. Et ben, il y a 20, 25 ans de cela, cela s'est passé. Je dis seulement merci à Dieu de m'avoir protégé à cet âge-là. Et le conseil que je voudrais donner aux gens ici, c'est qu'il faut protéger les enfants. Parfois, il y a certaines discussions dans lesquelles ils s'engagent, ne sachant pas des raisons. Il y a certains problèmes, certaines situations dans lesquelles les enfants se retrouvent innocemment et ils signent des pactes sans le savoir. Et donc, en tant que parents, en tant qu'aînés, nous avons la responsabilité de veiller sur les enfants, de les protéger et faire en sorte que leur sécurité soit garantie et assurée. Vous avez entendu ça? En tant qu'aîné, nous devons carrément veiller sur nos enfants, les conseiller. Les enfants ne savent rien, ils viennent d'arriver dans ce monde, ils ne savent rien de chez rien. Donc l'ennemi peut facilement les endoctriner. Du coup, nous les plus grands, nous devons veiller sur eux. L'un dit ce qu'il ne faut pas faire. Souvent on nous disait qu'on est enfant, on ne parle pas aux inconnus. Vraiment, faites attention. Ne mettez pas vos enfants ou vos jeunes frères ou sœurs, vos neveux, vos nièces, cousins, cousines, avec n'importe qui. C'est pas parce que le monsieur ou la dame est gentil que vous pouvez lui demander de s'asseoir à côté du monsieur ou de la dame, parce que vous ne connaissez pas les cœurs des gens. Tout le monde n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il prétend être. Voilà ce que j'avais raconté. Merci. Bien, nous allons écouter nos témoignages et témoignages de l'hôtelier. Parce que je suis hôtelier, ça fait pas mal d'années,
Et il y a de cela au moins 6 ans en arrière, j'étais du service de nuit. Et aux environs de 2 heures du matin, j'ai reçu un couple qui est arrivé et ils avaient besoin d'une chambre, peut-être pour libérer le matin ou à midi, comme naturellement les gens le font. Et très vite, j'ai présenté les services de la maison et ils ont jeté leur dévolu sur la chambre standard. Et ce qui m'avait tiqué un peu ce jour, c'est que le monsieur avait payé la chambre sans discuter. Chose qui est parfois un peu curieuse parce que les clients qui arrivent parfois un peu tard dans la nuit, aux environs de 2 h, 3 h le matin, quand ils veulent une chambre, peut-être pour libérer un peu très tôt, peut-être 6 h ou 5 h ou 7 h ou 8 h, ils ont tendance à demander une réduction. Ce qui n'est pas faux, ce qui est tout à fait normal. Mais ce monsieur en particulier avait payé la chambre sans réduction. C'est donc là où j'ai pris la clé, je les ai enregistrés naturellement, les démarches pour les enregistrements des clients. Et j'ai pris la clé, j'ai décidé de les accompagner, vu qu'ils étaient nouveaux dans la maison. Et voilà, je les ai installés et je suis rentré à la réception. Mais, chose curieuse, même pas 10 minutes, à peine je suis allé retourner à la réception m'asseoir, je vois la dame qui redescend. Elle redescend un peu très rapidement là. C'était une fille de nuit, excusez-moi du terme. Mais je comprends les pas des babouches des filles là sur les escaliers. Tchac, 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 tchac. Elle arrive là, un peu tout essoufflée. Je dis, mais il y a quoi? Elle me dit, frère. Là, je me rétracte un peu. Je dis, oui. Elle dit, vraiment, il faudrait que je vous parle. Je dis, mais je vous écoute. On parle déjà. Elle me dit, oui, mais ce que je veux vous dire, vraiment, c'est un peu bizarre. Je dis, à quoi? Elle me dit, le monsieur avec qui je suis monté là, il ne m'inspire pas. Je dis, il t'inspire pas comment? Elle me dit, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre, il est un peu bizarre. Il m'a posé certaines conditions dans la chambre là, vraiment, ça ne m'a pas intéressé. Et du coup, même, mon esprit me demande même de fuir plutôt. Je dis, quelles conditions? Elle ne m'a pas vraiment donné de détails, mais elle m'a seulement dit que tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le client qui est en haut là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Du coup, j'ai dit, bon, attends un peu, hein. Je vais un peu aller un peu voir le client. Moi aussi, c'était une façon de monter aussi, vérifier si mon client est en vie, si mon client était encore en entier, quoi. Du coup, je monte et j'arrive là, je me rends compte que c'est comme si les robinets de la douche sont ouverts, parce que je comprends l'eau couler dans la douche là. Et la télé aussi allumée, le volume est très bas. J'ai toc. Le monsieur répond d'une voix un peu rauque. Oui. Il dit, monsieur, oui, c'est la réception. Il dit, oui. Il dit, j'espère que. Je vais juste me rassurer si tout va bien, quoi. Il me dit, non, il n'y a pas de souci. J'ai bon, j'ai la fille en bas là aussi. Et je sais pas, il me demande s'il y a un problème. Il me dit, non, laisse la partie, il n'y a pas de souci, laisse la partie. Tu dis ok, c'est là dont je descends, je vois la fille. Elle dit à la fille, ah, si tu penses que tu ne peux pas toi accepter les conditions qu'il t'a proposées, ah, tu pars toi, non, ma mère, on va faire comment? C'est les choses du pays. Elle dit oui, maman, oui, mon père, je préfère moi partir. C'est donc là que la fille donc, décide de partir. Je rappelle, à notre hôtel, quand vous accédez au bâtiment supérieur, il n'y a qu'une seule entrée. Sauf si vous avez peut-être le don de voler comme Superman, vous pouvez vous mettre à travers les fenêtres, vous pouvez voler là et vous sortir du bâtiment, quoi. Mais si vous marchez vraiment comme les humains normaux, vous ne pouvez que redescendre par où vous êtes entré. Et cette entrée est juste placée en face de la réception. Bon, du coup, on peut facilement savoir qui entre, qui ressort. À peine la fille est partie, comme je suis rentré m'asseoir à la réception, je suis resté à la réception peut-être 10-15 minutes. Il était déjà parti comment 3 heures passées, 3 heures, quelques minutes comme ça. Après, j'ai décidé de monter un peu à l'étage pour faire un peu la ronde.
Et aussi pour savoir si le client n'avait pas besoin d'autre chose, quoi. S'il n'avait pas peut-être besoin d'une autre petite, tout ça, les choses comme ça. Je suis monté aussi curieusement comme ça. Quand je monte, je monte, je monte, je monte, je me rends compte que la chambre, je me rends compte que la chambre est complètement ouverte. La porte de la chambre est complètement ouverte. Et quand j'envoie la tête, je ne vois personne. Je comprends toujours le bruit de l'eau qui est en train de s'écouler à la douche, sur le lavement. J'arrive au niveau du lavement, de la douche en fait. Je me rends compte que la douche est aussi vide. Je me baisse en bas du lit. Je me rends compte que le bas du lit est vide. Je regarde dans les placards. Je me rends aussi compte que le placard est vide. Mais le monsieur n'est plus là. Les draps étaient impeccables. Tout était normal dans la chambre. Mais le monsieur n'était plus là. La seule sortie qu'il pouvait utiliser pour sortir du bâtiment était de redescendre par le chemin qu'il empruntait pour monter. À l'instant T, j'ai commencé à avoir mille et une questions dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur est passé par où? Et nous sommes un hôtel assez responsable. Bon, les affaires que les filles viennent souvent prendre des chambres et poste les trucs sur internet et voilà, les hommes viennent, ils montent là. Non, on n'avait pas ça. On n'acceptait pas ça. Donc, les clients qui étaient logés en hostel, c'était des clients que je connaissais, c'était des clients de la maison. Il n'y avait même pas une femme parmi pour dire, bon, voilà, peut-être il y a eu des coïncidences dans le couloir et tout ça. Le monsieur avait complètement disparu. Moi, j'ai juste fait ma prière comme d'habitude. J'ai fermé la chambre, j'ai éteint la clim. J'ai éteint les lumières, la télé, j'ai fermé les robinets et je suis rentré m'asseoir à la réception. Voilà mon histoire. C'était assez bizarre, mais voilà. Donc, c'était pour dire en fait aussi que les filles de nuit aussi rencontrent beaucoup de choses la nuit. La plupart de ces filles sont très fortes mystiquement et spirituellement aussi. Donc, voilà pour la première histoire. Waouh, vous avez entendu ça? Ça, là, il a raison. Ces filles de nuit sont vraiment fortes mystiquement. Ça, je vous l'assure. Ok, nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Mon histoire, c'est l'histoire d'un de mes oncles. L'oncle en question, il arrive ici. Il n'avait pas encore sa famille ici. Il restait. Après, il décide de se marier. Bon, sa femme vient. Ils sont ensemble. On était presque voisins. Les gens qui aiment les affaires. Oh, mon patron a dit, mon patron a dit. Il quitte maintenant, il dit qu'il va vivre chez le patron. Bon, on lui a donné une maison à côté là-bas. C'était vers Étoudji. Il part là-bas. Près d'Étoudji, presque vers la présidente, à côté de la présidente, il part avec sa femme. Il faisait souvent que quand il vient, où on restait là un peu. Et tu vois là, le gars nous apportait les grosses mangues qu'on voit souvent vers l'Asiatique là. Les plantains, les quoi. Il y avait quand même la bourse là-bas. Voilà, donc maintenant, il vient et il aimait fumer. Un jour, nous sommes seulement à la maison, on nous appelle, on dit qu'il est gravement malade. Et comme sa maison est un peu loin et toute la famille reste là où on restait, là, la majorité, on dit que non, il faut qu'il vienne se faire soigner là. On le laisse chez un de ses petits frères là qui n'était pas marié. Il est couché là, dans la chambre de son frère. Il ne peut même pas se lever, il fait les selles sur lui, il ne parle même pas, il ne mange même pas. On l'introduit seulement la bouillie dans la bouche de temps en temps. Quand il veut uriner, il fait seulement la main comme ça. On met le pot, on prend les urines dans le pot. Donc, sa femme qui faisait comme chez nous, les gens du Nord, là, on m'a dit que. Donc, bon, les gens du Nord, c'est-à-dire l'extrême Nord là-bas, parce que nous sommes les villages voisins, donc Cameroun, Tchad. Oui, on m'a dit que oh, c'est pas n'importe qui doit avoir du sexe et tout, il faut le respect. Voilà, donc, il est malade, il est malade.
quand ma mère rentre à la maison, elle me dit que mon oncle aussi, il va seulement mourir. Parce que la façon qu'il voit là, il ne peut pas vivre. La nuit, quand elle dort, elle ferme la porte et ils seront là, les femmes, pour les surveiller. Et tout, surveiller, pour que rien ne l'arrive. Bon, si quelque chose va se passer la nuit, quoi. Il y a une de ces belles sœurs là qui dit qu'elle est la vétérinaire. Maintenant, ma mère part l'accompagner. Après, elle voit un homme placé au milieu des herbes en veste. Parce que mon oncle, il aimait les vestes. Il ne porte pas. Il met les vestes toujours en veste. Il est placé dans la veste. Il est tourné. Après, on dit c'est qui. Il se retrouve, il marche, il continue à marcher. Il part. Ma mère, dans son cœur, elle savait que c'était lui. Mais l'autre femme, elle ne savait pas. Elles sont venues se coucher. Ma mère se couche devant la porte. Il dit comme ça. Il donne un coup de pied à la porte. Il est accouché là. Il est couché, mais il n'est pas encore mort. Il donne un coup de pied à la porte. Vous voyez, mon. Ma mère se lève, elle regarde personne. On ferme. Il vient, il pousse la porte. Ma mère se lève pas, elle le voit encore partir là-bas. Toute la nuit, c'était comme ça. Le lendemain, alors maintenant, ses frères, comme ils n'étaient pas chrétiens, n'ont pas cherché le marabout. On dit que tout le monde doit sortir. Il commence à faire les incantations là-bas dedans. Après, ils sont avec l'eau dans un plat. Il y a les petits escargots dedans comme ça. Il dit que les escargots sont tombés, les yeux, qu'il y avait ça. On a mis ça, que c'est dans ses yeux. Ma mère, elle dit qu'elle ne croit pas dans vos choses là. Que quelqu'un vit, il a les escargots dans les yeux et il voit encore. Pardon, elle n'aime pas le mensonge. Il dit qu'il part, il va revenir demain. Si le piaf là, c'est pas vous que j'ai le piaf, il y a le chiot qui me dérange là. Après maintenant, c'est comme ça que le monsieur part. Il ne fait même pas 100 mètres. Ma mère dit que n'achetez pas la chèvre là. Quand il voit le gars, c'est vraiment père, vous voyez, n'achetez pas la chèvre. Quand il finit, dit comme ça, même là, que. Le monsieur ne te met pas encore loin. Le monsieur ne te met pas encore loin. On dit déjà qu'il est décédé. C'est comme ça qu'on prend le corps, on va mettre à la morgue. Le soir, ma mère rentre. On est avec notre père. Il dit aussi ça, que tu veux partir, allez dans vos parties. Mon père est encore là, il s'est lavé. Je suis dedans comme ça, quelqu'un vient cogner la porte. Coc, coc, coc. Je dis c'est qui? La personne ne répond pas, je pars, j'ouvre. Je sors là. Comme je suis encore petite, moi, quoi. Je regarde comme ça, il le voit tourner, comment il a reparti. Je sais que c'est lui, toujours avec sa cigarette qu'il aimait fumer là dans la bouche. Je dis, ah, même que j'ai encore vous raconte là, ça me donne encore la chair du coup. Il voit comment il est reparti. Après, c'est pas comme ça, il revient encore, il vient encore trois. Après, il dit que moi, il ne nous voit même plus. C'est une histoire de voir que la personne ne fait que venir cogner et tout. Ça après, alors qu'on nous raconte que c'est son patron qu'il avait vendu et tout. Donc, c'est pour cela que son esprit errait dans la ville comme ça. Bon, d'après ce que les tradis praticiens sont encore venus dire que quand tu meurs, que ce n'était pas ton jour, donc tu es dans les villes jusqu'à ce que le jour que Dieu avait dit que tu vas mourir là. C'est là que ton esprit va partir. Bon, DMG, c'était ma petite histoire. Waouh, je vais te dire ça. Dites-moi ce que vous pensez. Ok, écoutez ensemble le témoignage. C'est parti. Ma copine m'a raconté une histoire qui s'est passée avec sa voisine, en fait. Donc, du coup, sa voisine, c'était une femme peule. Elle vivait dans une maison en location. Genre ici voisine quoi, pas trop proche mais voisine en fait. Et après la femme c'était une nouvelle mariée et c'était une femme peul, genre qu'elle vient du nord, je sais pas trop, Marois, Garois, un truc comme ça. Et c'était une femme, comme elle me l'a dit, c'était une femme très gentille, elle faisait les prières et tout. Je tiens à préciser que la femme c'est une musulmane, moi aussi bien sûr. Et genre, elle faisait tout ses croyances, en fait. Elle croyait en Allah et tout. Elle était vraiment une fille qui croyait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup,
C'était une jeune mariée, en fait. C'était une jeune mariée, elle vivait dans la maison en location et tout. Après, un an passe, parce que son mari n'était jamais à la maison. Son mari était toujours au travail, il travaillait, il voyageait. C'était un transporteur, en fait. C'était un conducteur de camion, si on peut dire ça. Il n'était jamais là, toujours au travail. Et une fois, il a eu un problème à son travail. Donc, du coup, il n'était pas rentré au temps prévu chez lui, quoi. Donc, il devait prendre des semaines supplémentaires. Il devait prendre des semaines supplémentaires pour le travail. Bah, après, le mois s'écoule et la femme devait payer le loyer, mais elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas l'argent, du coup, le bailleur vient, il commence à la déranger, tu ne payes pas le loyer et tout et tout. Elle a dit, voilà, mon mari a un problème, mais si tu le permets, je vais te payer et tout. Après cette journée, genre, elle a commencé à voir des souris chez elle, des souris qui viennent souvent voler la nourriture, gâter tout à la maison et tout. Elle trouvait ça normal parce que vraiment au Cameroun il y a des souris et tout, mais elle, dans sa maison c'était exagéré, si on peut dire ça, c'était exagéré. Tout le temps, quand elle dépose de la nourriture, elle trouve des souris qui ont mangé. Quand elle arrange le lit, tout est gâté. Quand elle sort, elle revient, sa maison est en bazar et tout. Et du coup, un jour, elle est venue, elle a retrouvé la maman de ma copine. Elle lui a expliqué ce qui se passe. Après, la maman de ma copine, elle a dit, ce n'est pas vraiment normal si tu vois tout ça chez toi. Mais voilà ce que tu vas faire. Tu vas bouillir de l'eau avec du sel. Et quand tu vas voir les souris, tu vas verser ça sur eux. Peut-être qu'ils ils vont plus revenir et tout. Parce que c'était une femme qui avait peur de la souris. Et son mari n'était jamais là. Parce que, voilà, avec le truc, les voyages et tout, le travail et tout, n'était jamais là. Donc, du coup, elle a fait ce que la maman de ma copine, elle a dit. Elle a fait bouillir de l'eau et après elle a attendu quand les souris sont venues chez elle, elle les a versées de l'eau chaude. Ils sont sortis. Le lendemain, très tôt le lendemain, le bailleur il est venu, il a commencé à lui faire des problèmes. Mais c'est quoi, tu as brûlé mes enfants? Tu veux que mes enfants meurent ou quoi? Tu as brûlé mes enfants, tu veux les tuer, tu vas sortir de cette maison. Elle était étonnée. Elle était choquée parce qu'elle a dit, je n'ai pas vu tes enfants ici, personne n'est venu chez moi. Elle a dit, mais tu veux brûler mes enfants? Il a dit, tu veux brûler mes enfants, tu veux tuer mes enfants et tout. Elle a dit, mais non, je n'ai pas vu tes enfants chez moi. Je n'ai pas vu tes enfants chez moi. Elle a commencé à lui expliquer, mais regarde, je n'ai pas vu aucun de tes enfants n'est venu chez moi. Après, il est parti à l'hôpital et tout. Elle était genre confuse et tout. Les voisins sont sortis. Il y a certains voisins qui sont sortis, ils l'ont demandé, mais tel, pourquoi il y a eu des problèmes et tout. Elle a dit, bah voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Ils ont dit, ah ok, ben c'est sûr que, je sais pas, il l'a confondu et tout, mais c'est un peu suspect ce qu'il faisait. Après, la semaine est passée, genre, je sais pas trop, donc la semaine est passée, et un jour, elle était chez elle la nuit, elle dormait. Après, elle a senti, elle a eu un pressentiment, en fait, que quelque chose était dans la maison. Après, elle s'est levée, elle se sentait mal, en fait, elle se sentait mal. Elle avait les chairs de poule, elle avait des pressentiments. Et un jour, elle s'est levée, le soir, pardon, elle s'est levée, elle a cherché dans sa maison. Après, elle a vu un gros serpent tout enroulé dans son salon. Il était genre couché, tout enroulé dans son salon, un gros serpent noir. Elle a eu peur, elle a flippé. Le serpent, quand il l'a vu, il est vite sorti de la maison. Il est vite sorti de la maison. Elle aussi, la nuit, là, elle est sortie, elle est partie, elle a réveillé les voisins. Voilà ce qu'elle a vu. Le serpent, il est sorti, mais le serpent a carrément disparu quand il est sorti.
Tout le monde disait, ah, mais c'est quoi ce truc, la souris? Après, maintenant, c'est le serpent et tout, c'est vraiment suspect. Après, elle a appelé son mari le lendemain. Elle a dit, bah voilà, je veux plus rester ici, je veux déménager parce que depuis que je n'ai pas encore payé le loyer, je vois tout genre de trucs dans la maison, je vois tout genre de mystères dans la maison. Moi, je veux plus rester ici. Après, il a dit, t'inquiète pas, d'ici 3 jours, je vais rentrer et tout. Après, le soir, le même jour qu'elle a causé avec son mari, le soir, elle est encore revenue dans la nuit, pardon, la nuit, elle a encore vu le même serpent dans le salon. Elle a dit, cette fois-ci, elle ne peut plus supporter, elle va faire quelque chose. Elle est partie, elle a pris, elle a encore fait bouillir de l'eau, elle est venue, elle l'a versée sur le serpent. Elle a voulu tuer le serpent, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait trop peur, mais elle a eu quand même son sang-froid de lui verser de l'eau chaude. Après, le serpent, il était tout brûlé, mais il a réussi à sortir de la maison. Le lendemain, la femme du bailleur, elle est venue, elle a commencé à lui faire des problèmes. Voilà que tu attaques mes enfants, maintenant c'est mon mari que tu veux attaquer et tout, et tout, et tout. C'est là où les voisins ont compris que, voilà, il était dans la sorcellerie, si on peut dire ça. Il était dans la sorcellerie et aussi les souris et tout. Et tous ses enfants étaient dans la sorcellerie ainsi que toute sa famille. Donc du coup, elle a dit le même jour, elle a déménagé. Elle n'a même pas attendu son mari pour qu'il rentre du travail et tout. Hein. Elle a déménagé, elle est retournée chez ses parents, elle allait rester là. Elle a appelé son mari, elle a dit si tu reviens, ne rentre pas directement dans la maison parce que moi j'ai déménagé, je suis chez mes parents. Donc quand tu vas rentrer, tu me trouves une maison et voilà, on déménage. Donc voilà ma petite histoire. Donc je voulais dire que vraiment, faites aussi très 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 attention. Même vos propres bailleurs peuvent être vos propres ennemis, quoi. Je vous jure, même pour vos propres bailleurs. Parce qu'elle vivait avec le bailleur, en fait. C'était une grande immeuble. Voilà, donc elle vivait avec le bailleur. Chacun avec sa maison, mais le bailleur, il était toujours en train de la déranger quand elle ne payait pas le loyer. Donc vraiment, faites très, très, très attention. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez, likez, les autres. Ok. Vous voyez ça? Tout ça, ce sont les signes de la sorcellerie. C'est pas terminé, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous effectivement. Likez, partagez. Est-ce que d'autres choses arrivent encore? Si vous voyez de tels signes chez vous, les cafards, les souris, les serpents, les araignées, même la mouche, commencez à faire attention. Ce sont les soucis qui vous attaquent. Commencez à prier beaucoup.